On est parti, et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à cette figure qu'est l'énéagramme et tenter, plutôt arriver, à comprendre celle-ci, comprendre pourquoi on a ces trois figures en une seule et qu'est-ce que fi signifie finalement chacun des symboles de l'énéagramme. Alors, si on regarde la figure ici, donc on a cette figure avec 9 points qui sont répartis ici de 1 à 9 de façon homogène autour d'un cercle. Autour de ce cercle, on trouve deux figures, un triangle et un hexagramme. On va en revenir après. Et cette figure de l'énéagramme est souvent vue pour ce qu'on appelle l'énéagramme, mais qui finalement est l'énéagramme de personnalité, de voir en chaque point un type de personnalité. Cependant, il est possible de faire d'autres types d'énéagrammes, comme l'ont fait par exemple Gurdjieff ou Itchaso, et moi-même sur l'énéagramme créateur ou l'énéagramme de l'efficacité. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la figure. C'est bien comprendre cette figure. Alors, il était dit, selon le livre qui relate les enseignements de Gurdjieff écrit par Ouspenski, qu'une personne qui saurait tracer l'énéagramme dans le désert, eh bien, pourrait toujours trouver son chemin. Et qu'une personne ne peut connaître véritablement un arc que si elle n'est pas capable de la faire rentrer à l'intérieur d'un énéagramme. Alors, quand on parle d'un énéagramme, on ne parle pas d'un profil, d'un des chiffres, on parle de la figure. La figure est un énéagramme. Et on a 9 points dans celle-ci. Donc ça, c'est déjà le premier point clé. Maintenant, on va rentrer plus dans les détails sur cette figure. Alors, cette figure, si on la décompose, on a quoi? On a ici un cercle dans lequel je me trouve au milieu. Ici, on a un triangle dans lequel je me trouve encore une fois au milieu. Et enfin, on a un hexagramme dans lequel je me trouve encore une fois au milieu. Maintenant, on va me mettre dans un coin où je ne gêne pas et en même temps que je puisse continuer à te donner les infos nécessaires. Donc, dans cette figure, on a tout d'abord le cercle. Le cercle, c'est vraiment le point pour moi fondamental. Ce symbole du cercle, que dit-il? Que signifie-t-il? Il signifie plusieurs choses. Tout d'abord, il signifie un centre et une périphérie. Et si on prend l'énéagramme de personnalité, d'ailleurs, l'idée, c'est on va prendre une personnalité, on ne change pas de type énéagramme dans sa vie, par exemple une personne qui est type 8 le restera toute sa vie, mais on évolue dessus. Et en fait, on part d'un centre, de l'équilibre du centre, pour arriver sur un point de périphérie qui fait que de l'équilibre de la personnalité supérieure au centre, on a une personnalité adaptée. Donc, il y a vraiment cette notion du centre, le point d'équilibre, et de la périphérie qui finalement sont différents points d'énergie autour d'un même centre. De même, le cercle amène aussi la notion de mouvement circulaire. Et un mouvement circulaire sur lequel, une fois qu'on a atteint le point numéro 9 ici, ça j'en parle beaucoup dans l'énéagramme d'efficacité et l'énéagramme créateur, et bien une fois qu'on arrive sur le point 9, et bien on repart sur un nouveau cycle. C'est-à-dire que dans l'énéagramme, on ne compte pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a fini un cycle et on reprend un nouveau cycle à 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, on a cette notion de cycle que l'on peut trouver dans les saisons, que l'on peut trouver dans les cycles nocturnes, diurnes, bref, les cycles de la vie. Et donc, tout est mouvement, tout est cycle et tout revient. Ensuite, on a le triangle. Le triangle, on a trois points essentiels que sont le 3, le 6 et 9, qui représentent la loi du 3. La loi du 3, eh bien, elle amène avec ces notions de triangle qui peut nous faire penser par exemple à certains symboles religieux, comme dans le christianisme, avec la Trinité, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais cette notion de Trinité, on va la retrouver dans plein de courants religieux, spirituels. On peut penser par exemple aux pyramides d'Égypte, qui sont liées à ces notions de triangle à la base, même si c'est une figure en trois dimensions, la pyramide. On a donc une base, on a un point d'un côté et son contraire de l'autre, et un point réunificateur au sommet de celle-ci. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ce symbole-là, mais là, tout ça pour dire qu'on a vraiment ces trois points qui s'unissent et qui se relient, qui sont liés les uns et les autres, et qui sont amenés à la recherche d'une forme d'union. D'ailleurs, un énéagramme, le type 9, qui est au sommet de la figure, c'est celui qui a perdu l'union avec les autres, et qui va rechercher justement cette union. Et donc, il y a la notion de conflit qui est en lien avec cette union-là. Donc, c'est une union perdue. Dans ce cas-là. Ici, on a enfin la dernière figure qui est un peu étrange, qui est l'hexagramme. Alors pour comprendre le tracé de cette figure, il faut venir sur la loi du 7, comme la prononce Gurdjieff,
qui est que si tu fais une calcul, que tu fais, tu prends ta calculatrice, tu fais 1 divisé par 7, tu vas obtenir un chiffre qui est 0, alors le 0 déjà, ça nous fait penser à ce cercle et à cet équilibre, donc 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Tu sais, ces nombres qui se répètent à l'infini et ce cycle qui se répète à l'infini. Donc en fait, l'hexagramme n'est que le tracé de ce cycle qui contient tous les nombres de 1 à 9, sauf les nombres divisibles par 3, qui sont 3, 6 et 9. C'est pour ça que cette figure est magique d'une certaine façon. Parce qu'on a vraiment ces deux lois harmoniques qui sont reliées. Et j'en ai pas parlé tout à fait, mais là où le triangle est relié à la Trinité, à la partie plus spirituelle, l'hexagramme, alors ça j'en parle plus sur l'énagramme créateur, l'hexagramme lui va être plus lié sur 6 points, sur la partie matérielle, la partie fixe, la partie vraiment beaucoup plus ancrée sur la terre, sur le fer. Voilà donc ce que tu as à savoir sur les trois figures que composent l'énagramme. Il y a bien évidemment d'autres choses à dire encore. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tout particulièrement sur l'énagramme de personnalité, qui est vraiment ma grande spécialité, j'ai fait une masterclass 100% gratuite et je t'invite vivement à regarder le lien en dessous et tu verras, on aborde également et en plus derrière avec mes autres programmes de formation, si tu veux suivre avec moi le Tech Enneagramme, le Master Enneagramme, Coaching et Thérapie par Enneagramme, Enneagramme du Créateur, Enneagramme Efficacité et bien d'autres encore, on aborde des concepts clés qui sont en résonance avec cette figure. Je te laisse regarder tout cela et on se retrouve de l'autre côté.